Et en route pour Sidi Bou Saïd, c'est parti. Sidi Bou Saïd avec les loulous. On est en train donc de promener dans les petites ruelles, vous allez voir. Donc j'avais déjà fait Sidi Bou Saïd il y a quelques années avec Nargis petite, mais elle s'en rappelle plus du coup. Et du coup on refait là avec toute la famille et vous allez voir, c'est bon, un village incontournable, enfin une petite ville incontournable à faire en Tunisie, près de Tunis. Et voilà, c'est super beau, vous pouvez faire de très belles photos, c'est très instagrammable quoi. Alors, à Sidi Bou Saïd, il faut s'armer de patience parce que il faut monter pour arriver vraiment jusqu'en haut pour voir toute la mer et la, comment on appelle ça, la marina. Allez mon soussou, pousse sur tes jambes, pousse. Super joli, regardez les portes comme elles sont trop belles. Waouh. Sont bons, le Bambalouni c'est là, il est là, celui qui est très connu et qu'on voit partout, Beni Bambalouni, maison fondée en 1932. Allez, on va voir la fabrication des Bambalouni, la pâte à beignets, et hop, voilà. Vous avez vu comment ça... On a un mot à faire d'art, mais jamais t'as plat, jamais t'as plat qui vient me faire. Et voilà. Et après, vous les faites dans le sucre ou pas, ou nature, comme vous voulez. Voilà, le Bambalouni. T'as vu, Baptiste? Et voilà le fameux Bambalouni. Alors, il est bon ou pas? Il est bien moelleux? Bien, non? Bon. Ouais, c'est bon. Alors, Nargis? Aïe, t'as pas goûté encore? Et toi, Baptiste? Il est bon. Maintenant qu'on est redescendu, il faut remonter. Remonte. Par contre, Sidi Bou Saïd, si vous avez le malheur de descendre un tout petit peu, genre pour voir d'autres paysages, après la pente, elle est rude. Maintenant, on va aller manger, on va se restaurer, on va se poser tranquillement. Et surtout boire de l'eau. Parce qu'il fait chaud, il y a un peu d'air, mais quand même, il fait lourd. Donc nous, on l'a fait en journée pour bien filmer, etc. pour le vlog, mais c'est bien de le faire la nuit, c'est intéressant aussi. Kelibia chez la famille, chez ma mamounette et mon père. Regardez le figuier comme il est énorme, machallah. Bon, on est sur le départ pour la plage de Kelibia aujourd'hui. On s'est mis le petit michoui ici. Là, on a le charbon. Là, on a mis donc la petite poterie là. Et dedans, il y a le charbon. Là, pour l'instant, c'est les pommes de terre qui cuisent avec les piments ici. Regardez.
Et on va mettre le poisson et la viande après. La Inouchette, ça va la Inouchette. Soussou et Balkis. Soussou, il a trop bien nagé aujourd'hui. Bon, ce matin, on est toujours à Kelibia, la Blanche, donc dans le nord de la Tunisie. On s'est réveillé aux aurores encore ce matin pour profiter de la mer et de cette belle vue. Regardez, franchement, c'est voilà, c'est magnifique. Le soleil, la propreté de l'eau, enfin voilà, tout est fait pour bien profiter des vacances. Allez, loulou! Regardez cette eau cristalline. Je vous conseille vraiment de venir vous y baigner tôt le matin. Il n'y a personne. Et au moins, vous profitez. Voilà. Centre-ville de Kelibia, ça me rappelle l'ambiance de ma jeunesse quand j'allais promener avec mes soeurs au centre-ville. C'était la même ambiance, ça n'a pas changé. Là, on va aller voir, il y a un salon de l'artisanat à Kelibia et on va voir ce qu'il propose. Alors, on va regarder. Et là, avec Mr. K et Soussou, on va donc se restaurer. On s'est pris une pizza 4 fromages au pesto. Regardez, elle est super belle. Hein? Je vais te la plier, Soussou, mais elle est encore super chaude. Regarde, c'est hyper chaud encore. Super chaud, Soussou. Hello, bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. Alors écoutez, on vient d'arriver à Hammamet, ça y est, on est sur la route du retour pour Zarzis. Et on est à Hammamet, regardez le cadre dans lequel on est, super joli, magnifique. Donc on s'arrête pour prendre un café, faire petit déjeuner les enfants. On est en café en bord de mer, en fait, il y a des genres de plages privées avec des parasols. Et nous, on est sur le café en hauteur, c'est super beau. On a la mer juste en face. On va petit déjeuner et faire un petit tour à Hammamet et reprendre la route. C'est un café donc sur les hauteurs de la mer et on vient de prendre une formule à 5,50 dinars. Donc vous avez jus d'orange, café et pain au chocolat. Et voilà, on vient d'arriver à la médina d'Hammamet. Donc ça, c'est la ville, donc l'ancienne ville en fait, avec les remparts. Donc ça, c'est à visiter aussi à Hammamet, c'est intéressant. Avec les loulous, on va y aller.
par là. Non, c'était pour trouver l'entrée. C'est ici, viens. Allez. C'est beau déjà l'entrée. Hein. C'est bien pittoresque. Regardez, je vais vous montrer un petit truc ici qu'on a souvent en Tunisie, que vous allez pouvoir voir un peu partout en Tunisie. C'est ce rideau sur la porte, en fait, à l'extérieur de la porte. On appelle ça en Tunisie « charl », en fait. Et c'est fait, en fait, pour garder l'intimité de la maison, même quand la porte est ouverte. Donc, on peut ouvrir pour faire un genre de courant d'air dans la maison. Et, en fait, l'intimité, en fait, de la maison et de la famille reste protégée avec ce rideau-là. Allez, on continue à déambuler dans les petites... Regardez. Les portes, elles sont magnifiques. On va continuer à déambuler dans les petites ruelles de la Médina d'Hammamet. Et les loulous sont là. Vous avez vu des petits chats alors ? Ça y est, nous voilà enfin arrivés à Sousse, à la ville de Sousse, avec la Médina de Sousse juste derrière. Donc on va aller visiter tout ça encore, vous emmener avec nous et vous allez être en immersion avec nous dans Sousse l'ancienne. Se termine ici, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de continuer à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez regarder la première partie de ce vlog, je vous invite à cliquer sur la petite vidéo ici pour voir la première partie. Et sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.